Nouvelle vidéo, nouveau pays, nouvelle expérience. On est arrivé il y a 3 jours en Colombie, on est resté 2 jours à Bogota, mais j'ai pas voulu filmer pour que cette vidéo soit vraiment spécifique à cette nouvelle expérience qu'on va faire. On se trouve à Leticia, donc c'est dans l'Amazonie. C'est une ville où il y a la double frontière entre le Brésil, le Pérou et la Colombie. On a décidé de venir ici 2 semaines. On va faire du volontariat dans un hostel, voilà. Donc on a hâte de commencer vraiment là. Aujourd'hui c'était juste le jour tranquille où on est arrivé hier, juste tranquille. Et demain normalement on aura nos petites plannings avec tout ce qu'on doit faire et nos jours de travail, etc. On a bien hâte en sachant qu'on peut faire... En fait ce qui est bien c'est que on risque de faire des tours gratuits en fait en tant que traducteur. Parce que maintenant on a un bon niveau en espagnol. Donc on peut être le traducteur pour des Français qui viennent faire un tour. Donc voilà, on a hâte de commencer et d'essayer d'aller faire un tour en Amazonie, gratuitement, voir tout ce qu'il y a à voir. Et en 2 semaines, on espère en faire plusieurs. Puis la propriétaire ici, les gens, ils sont super gentils dans l'hostel. Donc je pense que ça va être sympa. Premier jour de travail, je suis du travail de soir, de nuit, jusqu'à 23h. Et Noémie a travaillé cet après-midi. Et là, elle lave ce que je dois faire moi. Parce que ça lui manque de pas laver, alors elle fait un petit peu. Elle fait un petit peu beaucoup même. Donc moi ça m'arrange, je fais rien. Et là, elle fait tout. D'habitude quoi. Et on a une bonne nouvelle, c'est que demain, on va faire un tour. On va même pas servir de traducteur. Parce que normalement, on est là pour servir de traducteur. Et là, même pas, on va même pas besoin de faire ça. Elle nous a dit, vous y allez, il y a 3 Colombiens qui ont pris un tour. Et vous y allez. C'est trop stylé. Donc on a hâte d'aller faire ça demain. Maintenant on attend que ça sèche, comme à la maison. Il n'y a personne qui rentre. Parce que là je vais se rembrouiller moi. Première journée super bien. On n'a rien à faire. Même pour moi cet après-midi j'ai regardé une série sur Netflix. Elle a rien fait. Rien fait. Et la chef, la propriétaire, elle nous met tellement bien. Ouais, elle est trop gentille. Elle cherche direct à nous faire des excursions, on paye pas. Et mais elle bien. Est en train aussi de booker pour la semaine prochaine un tour carrément dans l'Amazonie avec deux nuits, ça serait oufissime ça. Donc par contre là on servira de traducteur. Ouais, parce que... enfin, Noémie fera la traductrice et moi je serai le touriste. Pas le changer quoi, c'est toujours les mêmes qui bossent. Exactement. Donc non, juste le petit défaut de l'hôtel c'est juste la chambre. Il fait tellement humide que ça pue l'humidité quoi, c'est vraiment une très mauvaise odeur, mais voilà, on passe. Noémie elle met même plus ses tongs pour aller dans la douche. Non mais là par contre je suis choqué. Elle vient de me la prendre, je suis choqué. Vas-y monte pas tes gros doigts de pied là. Franchement, je suis arrivée à un point là, on va dormir dans l'Amazonie, on m'a dit qu'il n'y avait pas de douche, il faut se laver dans la rivière. Donc bon, je m'habitue déjà à me laver les pieds dans la douche commune. De toute façon, j'ai pas de tombe parce que je les ai jetés au Costa Rica. Oui, bon, c'est bon. On se retrouve demain directement dans l'Amazonie et on va se baigner normalement. On va voir ça. Let's go! On est dans une des communautés les plus reculées, on les a pris sur le passage, elle nous a donné un sacré peu de ça là. On a mis à manger. Faut sucer, hein, c'est tout. Oui.
On déguste ça? Mostrando qué hicieron hoy en el colegio. Adentro se sienten, chicos. Siéntese. ¿Cómo es tu nombre? El nombre es Mateo. ¿Y Mateo, el tuyo? Ella se llama Brigitte. ¿Y usted? Miguel. ¿Y usted? Wesley. ¿Wesley? Wesley. Wesley. Abajo, chicos. On est arrivé sur la dernière communauté indigène. On n'est pas sur le rio Amazon, mais sur un des bras, quoi. Et là, on va aller voir un petit peu là, comment ça se passe. Il y a 100 personnes à peu près qui habitent ici. Elle est sur un malade, lui. Noémie. Sur le dos. Allez, c'est bleu. Non. C'est bien. Ils ont bien sûr un terrain de foot, hein. De même. On va repartir sur le bateau, mais là il nous a montré un petit peu les fruits qu'ils mangent ici. C'est vraiment, à part l'ananas et le manioc, on connaît rien du tout. C'est vraiment des trucs spéciaux. Donc c'est super sympa de voir un peu comment ils vivent, même si bon, ça a beaucoup changé. Là ils disent qu'ils ont gardé cette communauté là, parce qu'en tout il y en a 7 autour de Laetitia. On est vraiment celle qui est la plus au fond et celle qui apparemment garde le plus de choses authentiques. Il faut savoir qu'on n'est pas en fait sur l'Amazon, donc je sais pas quand est-ce qu'on ira, j'espère un jour, mais là on est vraiment que sur des bras. Bah voilà, un petit peu pour contextualiser, là sur la droite là c'est vraiment fleuve Amazon, et puis là on est ici en fait, on est là à San Pedro. Vous voyez ici, il y a une route, et en fait ils vont aux écoles qui sont là. Donc soit ils prennent le bateau, soit ils prennent un bus. Mais on était là, c'est-à-dire qu'ils venaient d'ici, de l'école qui était là. On a pris les petits pour venir ici. Donc voilà, moi je me voyais, je savais pas comment c'était. Et voilà, avec la carte, c'est parfait. On teste des trucs vraiment, et puis si tu manges ça. Jamais vu ça de ta vie. Il faut pas croquer, il faut juste sucer. C'est des macambo. Ça a vraiment pas l'air appétissant. Moi je... Oh, c'est dégueulasse. T'aimes pas? Ah non non non. Ça a quel goût? Tu vas voir. Je vais essayer. Ah, c'est dégueulasse. Ah putain. J'aime comment on attrape. C'est trop rigolo. Ah, c'est vraiment bizarre, je vous jure. Déjà la texture elle est bizarre. L'autre aussi était bizarre, mais là... Ah, oh, je peux pas. Ah, c'est dégueulasse. Yeah. Oh putain. Que bajen el portón. Que abran el portón y bajen hasta abajo. Et nous on mange rien. Les Colombiens là-bas ils graillent tout. L'eau est entre chaude et froide. C'est trop bizarre. Vraiment, il y a deux courants, ils disent. Et c'est cette eau-là qui alimente l'Amazon. Termine sur un petit coucher de soleil comme d'habitude. Aujourd'hui, ce n'est pas une expédition qu'on vous propose, c'est une petite sortie sur notre jour de repos. On est venu à Puerto Narino, là, à 2 heures de bateau de Laetitia, et c'est un petit village tranquille, tout le monde en parle. Donc on est venu voir ce que ça donne. Petite balade dans ce petit village, on essaie d'aller se perdre un peu vers le rio Amazon. Ben voilà, le monsieur là vient de nous dire que de ce côté là du pont c'était
le territoire indigène. On va aller faire un petit tour, mais on peut passer, il m'a dit, il n'y a pas de problème. On va aller voir un petit peu. Et c'est vraiment que des maisons un peu sur pilotis comme ça. Regardez le pont où on marche. À tout moment, je tombe. Ah, vas-y, non, il tombe. Non, non, mais c'est pas trop. Mais regarde, là, il y a une planche. Oh, t'imagines, ça bascule, ça tient pas trop. Mais si, ça tient bien. Voilà, c'est vraiment des maisons comme ça sur pilotis, toujours avec le terrain de foot. Hein. Ça, il faut jamais enlever un terrain de foot. Une chaleur, fait une humidité, c'est un truc de ouf. Et on se fait accoster par tout le monde parce que je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui viennent là. Et ils sont un peu bourrés, on va se mentir. Et ils veulent tous qu'on boive leur truc là, mais bon, on va éviter quoi. On retrouve un petit peu, c'est un pays pauvre quand même, hein, de l'Amérique du Sud. Quand même, c'est bien plus sale ici. Tu retrouves du plastique absolument partout alors qu'on est en pleine forêt amazonienne, donc bon. C'est vraiment propre au pays pauvre. Pour revenir aussi sur la petite sortie qu'on a faite, moi personnellement j'ai pas été très bluffé par ce tour, donc heureusement qu'il nous a rien coûté. Bah c'était pas éblouissant. Non, c'était sale aussi, pareil, l'eau était sale. Les bras, voilà, ils sont hyper sales. Hyper sale. Même l'Amazon est très sale. Ouais, ouais, ouais. On voit pas d'animaux. On voit rien du tout, hein. Il n'y a pas grand chose à voir, il y a beaucoup de papillons, il y a quelques oiseaux, mais c'est pas extraordinaire, surtout après le Costa Rica. Quoi. Ouais. Je pense que c'est joli, hein, mais c'est pas bluffant pour moi. Tu te dis, c'est bien, on est en Amazonie, quoi, c'est ça que tu peux te dire. Mais c'est pas. Enfin, pour l'instant, en tout cas, on espère faire les autres tours avec une nuit au moins dans la jungle, et là on pourra voir. Christophe est de retour parmi nous et elle a une nouvelle technique à vous montrer. Mes jumelles. On va sortir ses jumelles. Ah non, des jumelles faites maison, let's go. C'est notre guide. C'était le guide de la sortie. Il a dit ouais, faut faire ça. Moi, je vois mieux quand ça je marche. Fais ça. Il nous a dit regardez là-bas, il y a des gens, vous les voyez sur l'arbre et tout. Harry commence à faire rien ça. Rien du tout. C'est de la grosse merde cette technique. Mais il n'y a pas grand chose encore une fois. Hein. On est en train de passer dans l'école. Les classes, elles sont comme ça. Et là, ils sont en train de jouer. Il y a un perroquet, enfin un rat du coup, comme ça. On vient d'arriver dans un petit hostel. En fait, c'est celui-là qu'on devait venir au début, mais on savait pas comment ça allait être et tout. Mais en fait, c'est genre archi bonito. Oh putain! Ah bah, il est parti. C'est vraiment stylé. Mais il y a de fortes chances que les deux rats là qu'on vient de voir, ils sont domestiqués par le mec de l'hôtel en fait. Parce qu'il a dit oui, ils sont là. Il a même donné, on lui a dit mais comment ça s'appelle ça en espagnol? Il a dit Rosé. Non, ça c'est son prénom que tu lui as donné, mais c'est pas son nom. Son nom d'animal quoi. Mais c'est quand même sympa de les voir, hein, on va pas se mentir. Ils sont super beaux franchement. Les voir d'aussi près comme ça, grave beau. Bon, on est sur la fin de journée, on se sera bien baladé. On fait quelques petites pauses quand même. Et là, on est en train d'admirer les dauphins. Les dauphins gris, il n'y a pas les dauphins roses de l'Amazonie, mais là, il y en a des gris. Il y en a 3 ou 4 là. Ils sont un petit peu loin quand même. Et ça fait toujours plaisir de les voir. On a trouvé enfin à manger. Tous les restaurants en ville sont fermés. Heureusement, il y a des petites cuisines de rue comme ça. Et c'est excellent. Je vais aller vous montrer. Ça c'est le poisson. C'est le quoi Alex? Le piracoucou là, je sais pas quoi là. Avec les petites brochettes comme ça, les petites boulettes. Caïman. Caïman? Caïman. La saucisse. Et là tu te sers avec le riz et tout ça. Et le yuca, c'est le manioc. Et du coup voilà, on est en plein. Et il y en a un en face aussi. Heureusement qu'ils sont là. Hein. Que les bateaux n'ont pas été déchargés pour les restaurants. Ça aurait été bien cool cette petite journée ici, ça fait grave du bien de... être au calme. D'être au calme parce que vraiment à Laetitia, dès que tu sors, c'est le boucan, mais il y a un boucan. Surtout en scooter, en moto, en voiture, ça fait un bruit pas possible. Et là, il n'y a pas une seule voiture, c'est trop bien. On a bien mangé ce soir, on a bien vu les petits dauphins pour terminer la journée. Donc voilà, petite escapade terminée. Et donc du coup, le mec il pêche des caïmans. À la mano. À la main.
Il pêche des caïmans et c'est un peu interdit, mais il le fait. Et on lui a quand même demandé s'il faisait, si on pouvait manger du dauphin. Il a dit non, ça c'est vraiment interdit. Donc ça nous rassure. Heureusement. Donc voilà, on se dit à la prochaine expédition qui sera certainement demain ou après-demain pour nous. Ciao. Hein? Dépêche-toi. Ciao. Il fait chaud. On est en train de transpirer la grosse dinde. Allume le ventre. Comme prévu, on se retrouve le lendemain de Puerto Narino. On a Santa Sofia. On fait une sortie avec une communauté, encore une fois. Et on va dormir dans la jungle. On a les petits hamacs pour dormir dans la jungle parce que ça va être stylé. Voilà, on va voir un peu ce qu'il va nous proposer à faire. Et normalement, on va aller sur une île où il y a les mini singes. Et il faut savoir que quand c'est les mois de pluie, et ben, genre le rio, il est vraiment super loin, le rio. On a marché super longtemps. En fait, il vient jusqu'ici, quoi. Et il a dit c'est vraiment autre chose et il y a plus de, enfin, il y a beaucoup de choses à voir, quoi. Toutes les plantes qu'ils ont ici, là, c'est des plantes médicinales que son grand-père, que ses grands-parents, en fait, ils conservent et puis, en fait, de génération en génération, et ben, ils transmettent. Donc, tout ça, là, c'est pour eux, pour les guérir. Alex, il se fait attaquer. Il est trop mignon. Du coup, on mange de la mangue en attendant, on va aller se promener. On va aller se promener. Et du coup, il y a lui qui finit nos restes, là. Il va nous chercher. Faire quoi, Noémie? Pour faire la peinture noire. Du coup, il monte. Un petit singe. Oui, qui veut dire dans leur langue homme noir. Parce que vraiment, tu te peins et ils ont tout ça. C'est tout noir. On va le faire, mais on sait pas comment. Les calientes? Il l'a chauffé un peu. Ah, pour eso. Así sea caliente o no caliente, siempre va a pintar, pero demora más. Bon, après avoir cueilli le huito, on a été chercher des arbres pour les replanter. On dirait que c'est vos noms de famille, on dirait que vous êtes genre mari et femme, Chimbillo, Chimbillo. Du coup, on a fait des petites pancartes. C'est le singe le plus petit du monde, del mundo. Mm-hmm. El más pequeño del si. Mundo. Uh-huh. C'est le singe le plus petit du monde. Et du coup, sa maman, elle a été tuée. Et donc, les policiers qui l'ont trouvé, ils l'ont apporté à une maman ici pour qu'elle en prenne soin. Ouais, moi, après avoir fait les bras, Noémie, elle se prend pour je sais pas qui. C'est fort, Noémie. Laisse-moi tranquille. Les petits sont en train de pêcher là. Barque miniature. Il est monté dans l'arbre pour nous faire goûter un fruit. Si, et après tu suces quoi, tu lèches. J'ai les mains dégueulasses. Qu'est-ce qu'il y a, Alex? Un problème? Wow. On s'enfonce dans la jungle là. Il nous montre des trucs de fou furieux. Je me suis fait piquer par une fourmi. Genre il a dit essayez, vous allez voir. Je fais une seule fourmi, ça m'a tué la main. L'arbre. Et les fourmis, elles vivent dans un arbre genre. Et elles sont 1 million, ils ont dit qu'avant ça servait pour punir si tu trompais ta femme, si tu divorçais ou quoi. Bah tu devais encercler, enfin tu devais faire un câlin à l'arbre et en fait toutes les fourmis elles venaient sur toi. Tu penses que tu peux mourir quoi. Mourir ou invalide. Donc bon, ça vous donne une idée quoi. Là on est avec nos trucs pour aller le planter. Et nous montre des arbres, l'arbre de la fertilité, c'est le gros que j'ai filmé juste avant. Mamie, elle va en avoir plein. Ah non, c'est bon. J'ai peur. Ah, et ça pue. Mamie, regarde-moi. Elle est n'importe comment. On est en forêt, t'as un bras tout noir. Tu vas planter un petit arbre stylé. Et on apprend des trucs de fou. Et on est envahi de moustiques quand même. Hein. Putain, c'est grave. Après une heure à marcher dans la jungle sous la pluie, on a planté notre tombe. Les petits arbres voilà. Sont là. Du coup, on sait pas si on va sortir. C'est là. Elle est réduite.
Il est tout petit, on dirait une plante morte. C'est pas, j'ai pas trop compris pourquoi ils font ça, mais bon. Bon, ils ont pas voulu dormir dans la jungle. Du coup, on s'est installé dans la petite cabane avec les hamacs et les moustiquaires parce que c'est indispensable. Et là, on a le. Ah ouais, le plat. Et lui, il l'a pas ça. Et ça, c'est le problème. Mais pourquoi tu l'as pas toi? De quoi? Les mains noires comme ça. Eh, on se promène sur le rio dans la nuit. On voit absolument rien. On voit absolument rien. C'est archi chill. L'ambiance est ouf. Et vous voyez rien du tout. On est dans le noir complet, mais Noémie, elle l'aime pas. Du coup, regardez comment elle est. Elle est en boule. On est en train de faire la marche dans la nuit, mais on voit vraiment rien, à part des araignées, quoi. On a vu des araignées et une grenouille. C'est tout. C'est vraiment... Voilà, on a encore une petite araignée. Elle est stylée, celle-là. C'est quoi Une petite araignée. Alex, tu Eh, on n'est pas lavé, on a dormi plutôt bien. Il y en a qui ont... Moi j'ai ronflé apparemment. Il y en a qui ont eu froid, il y en a qui se sont fait pipi dessus, un an et demi. Non, mais vous avez pipi dessus. Ouais, dans le hamac c'était un peu mouillé. Arrête. Et là on est parti sur le rio, il pleut depuis 3h du matin, je crois, toute la nuit. Et Alex, je suis tout cinglé. Un truc de ouf. Regardez comment je suis noire, putain. Je sais pas ce qui s'est passé dans la nuit, mais... Eh, c'est leur machin, on a partout et ça c'est a détendu. C'est la grosse merde. Oh, c'est beau quand même, regardez. Elle s'est fait violer par un indigène. Elle en a sur la cuisse. Elle en a partout. Donc là, on va aller sur le rio voir les dauphins et une île au mini-singe là. Voilà, c'est un peu... C'est ça en fait ce qui se passe. C'est qu'on... En fait, on est sur une île, donc c'est-à-dire qu'ils sont là tout le temps. Et ils en ont fait un business quoi, pour qu'on leur donne à manger et prendre des photos avec. Bon. Donc là, on est juste là pour les singes. Et on est trempé. T'en as un sur toi, Noémie? Non, j'en ai pas, ils veulent pas venir, j'ai une banane, mais comme je suis moche, je pense qu'ils veulent pas venir me voir. Ah, il est mort. Ah, il va partir. Il donne pas au bébé. Il nourrit pas son bébé. Ça va? Il saute comme ça d'un humain à l'autre là. Bon, pour terminer la journée, on est revenu sur l'île, on est tout seul, ils nous ont fait venir les singes. Et lui, il lui a chié dessus, Noémie. Noémie, il fait voir. Du moi caca aussi. Moi aussi. Ouais, mais moi aussi. Rigole, il rigole, mais lui aussi, il s'est fait chier dessus. Moi aussi, je me suis fait chier dessus, mais c'était pas vraiment sur la main comme ça. C'était des mini. C'était des crottes bien dures, elles sont tombées par terre direct, elle direct sur sa main. Le caca. On a bien terminé la petite sortie du jour avec les dauphins et tout. Et là on est revenu, comme vous avez vu, avec les monos, on s'est fait chier dessus. Donc là on repart et on va attendre notre bateau de retour à Laetitia. Pour la dernière nuit ici en Amazonie, on est venu dans les cabanes de... notre hôtel qui propose des logements à l'extérieur de la ville. Du coup, t'es en pleine nature, c'est trop bien. On a vu les toucans et tout hier. On a fini les 2 semaines de volontariat ici. Franchement, c'était sympa. C'était sympa. Première expérience en hostel, du coup. C'est un peu relou quand même parce que les gens nettoient pas forcément. Les autres volontaires nettoient pas comme ils devraient. La patronne, franchement, Martha, c'est une femme genre trop gentille. C'est incroyable, elle a vraiment le cœur sur la main avec tout le monde, que ce soit les volontaires ou les touristes. Franchement, elle est exceptionnelle. Trop gentille. Et c'était trop bien. Donc on a fait des super rencontres pendant cette expérience. On va revoir
Sarah et Sandy. Les deux folles là que vous avez vu crier dans nos vidéos pendant elles l'excursion. Elles habitent ici, donc du coup on va aller les revoir avec, avec plaisir. On s'attendait à un petit peu mieux de l'Amazonie quand même, on est un petit peu déçus. Peut-être parce qu'on sort aussi du Costa Rica, je dirais que c'était même mieux là-bas en fait. La faune et la flore en fait c'est encore mieux. C'était beaucoup plus diversifié, les arbres c'était... On n'a pas vu beaucoup d'animaux, alors après on sait pas si... Il y a aussi que c'est un peu la mauvaise période où il y a moins d'animaux. Le tour qu'on a fait avec la communauté... Avec les deux communautés, on sait très bien que c'est pas du tout ça et je pense que ça n'existe plus les communautés comme nous on pense. Comme nous on voit à la télé, ils sont encore habillés traditionnellement et tout. Ils n'ont pas la télé, ils n'ont pas internet et compagnie. C'est, là, ça n'existe plus. Ils sont carrément mieux connectés que nous. Quoi. Ouais, ça n'existe plus. Ils avaient un point wifi dans leur communauté, enfin à 2 minutes de leur communauté. Ça n'existe plus. C'est pas ils la sont réalité. Même pas autonomes, ils achètent toute leur bouffe, en fait ils l'achètent, ils sont fruits, même pas de... Fruits, légumes, tout ça, tout est récupéré au marché en fait, ils y vont en bateau et ils récupèrent la nourriture au marché, donc bon, ça perd un peu de son authenticité, c'est un peu dommage. Donc c'est un peu ça qu'on aurait aimé retrouver, l'authenticité d'une communauté. Mais il faut y rester 3 mois pour faire ça. Mais voilà, il faut aller chercher bien à l'intérieur des terres, et il faut avoir du temps, et il faut... Faut vouloir faire ça. Avoir peur aussi. Il faut vouloir faire ça. Et il faut vouloir faire ça, mais ouais. Voilà. En tout cas, c'était une bonne expérience. Donc là, on a notre vol. On va direction Medellin. Donc vous verrez ça dans la prochaine vidéo. Je pense que je vais rester sur ce type de format avec que les excursions ou que les sorties qu'on fait. Je trouve que c'est pas mal de faire ça. 2 semaines terminées en Amazonie. On ne sait pas si on reviendra ici. Si on revient, c'est juste pour Martha parce qu'elle est trop gentille. On a fait la peinture dans la communauté aussi et regardez, c'était bien clair au tout début, c'est devenu bien noir et puis là ça reste encore. On a un petit dessin là aussi qui nous avait fait le guide. Et Noémie en avait plein la tête. J'en avais partout sur le visage et j'ai réussi à tout nettoyer et mes mains aussi. Ouais. Du coup bah voilà, on va se taper ça à Medellin encore. Et j'ai fait mes ongles. Même dans l'Amazonie, j'arrive à trouver des petits spots pour faire mes ongles. Ciao.